Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo haul. Donc ça fait un petit moment que je vous n'ai pas fait, donc j'ai été chez Cultura et donc vous vous en doutez, je suis en vacances, donc je suis au camping. Donc voilà, et on a été sur le chemin de l'aller, on est passé au Cultura de Valence. Donc j'ai fait des petits achats, j'en ai eu pour 53 € et il y a aussi un petit truc que mes parents m'ont acheté. Donc voilà, on va tout de suite commencer. Donc j'ai tout d'abord acheté un pistolet à colle comme ceci, donc je vous ferai un petit close-up sur chacun des achats. Donc il m'a coûté 4,99 € et il est vendu avec deux recharges et c'est un de la marque Artemio. Pour aller avec, j'ai pris 12 recharges de colle qui elles m'ont coûté 3,29 €. Donc ensuite j'ai pris un set de 10 pinceaux comme ceci à 4,99 € aussi, donc il y a 10 pinceaux ronds et plats mélangés. Ensuite j'ai acheté une boîte de pastels secs, donc c'est les Faber-Castell, donc la boîte de 24 couleurs et elle m'a coûté 8,99 €. Donc voilà, c'est vraiment pas très cher parce que ça j'ai trouvé. Donc, et si j'arrive à vous ouvrir la boîte, voilà. Voilà. Ensuite j'ai acheté un set de 3 emporte-pièces de la marque Makings. Donc c'est des emporte-pièces ronds, ce sont vraiment les basiques. Mais c'est juste que j'en avais ras le bol d'avoir mes emporte-pièces que j'avais pris un peu partout. Et le set m'a coûté 2,29 €. Ensuite j'ai acheté un set de pinceaux mousse comme ceci, à donc 3 tailles différentes, à 2,39 €. Ensuite j'ai acheté un lot de 6 petites boîtes comme ça, donc désolé j'ai déjà ouvert, qui m'ont coûté 2,79 €. Donc voilà, en fait vous ouvrez et vous mettez des trucs dedans, hein, ça paraît logique. C'est le principe d'une boîte. Donc si jamais vous l'avez entendu, je suis avec Marie. Ensuite j'ai pris une boîte comme ceci qu'ils appellent à clapet, mais bon c'est une boîte basique. Donc voilà, comme ceci, et elle m'a coûté 2,49 €. Ensuite, ce que mes parents m'ont offert, c'est un kit de 30 stylos comme ça, stabilo fin. Donc 0,4 mm fond de pointe. Ça veut rien dire ce que je veux dire, mais c'est pas grave. Donc voilà, et je crois qu'il coûtait 12 € et quelques. Et vous aviez 5 couleurs néon en plus. Donc voilà. Ensuite, j'ai acheté des masking tape, donc j'en ai pris deux comme ceci et ils m'ont coûté chacun 2,99 €, pardon. Donc voilà, il y en a un à motif un peu millimétré, multicolore, et un autre géométrique avec des petits carrés jaunes et bleus. Et ensuite j'ai acheté de la Fimo, donc le pain coûtait 1,45 € il me semble, donc j'en ai pris, me semble aussi, 9. Donc j'ai pris tout d'abord du vert pomme numéro 50, du jaune limone numéro 10, du vert tropical numéro 53, du menthe en effet numéro 505, du vanille en effet numéro 105, du pêche en effet toujours numéro 405, du bleu pacifique numéro 37 en soft, toujours en soft, du rouge cerise numéro 26, pardon. Et tout en effet aussi le bleu d'eau numéro 305. Donc voilà pour cette vidéo haul, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Sur ça, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite. Salut. Oui. Je peux couper? Oui. J'étais conne de l'ouvrir, j'ai oublié que j'allais faire des close-up. Oui. C'est bien l'intelligence. Mais la pratiquer, c'est encore mieux. Oh, on les voit, merde. Ensuite, j'ai Et après, c'est moi qui sais pas parler français. Et pour terminer, j'ai acheté un peu de Fimo. Voilà.